Salut les amis. Alors deux petites brèves. Enfin une moins brève, mais dans du bref. Le conseil scientifique qui demande à ce qu'on à ce que l'État et à ce que les 20 plus grosses villes françaises prévoient des protocoles pour un reconfinement total ou partiel. Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose. Hein, à part le Liban dont on va parler. Et c'est moi ça me fait dire ce que j'ai toujours dit depuis deux mois, c'est que le confinement, le reconfinement, c'est l'épée de Damoclès et ça va être un outil d'ingénierie sociale et là on nous prépare à, soi-disant, le virus reviendrait à l'automne et à l'automne ça devient dangereux parce que là ils vont pas reconfiner toute la France, ils reconfineront les grandes villes, ils reconfineront des endroits bien précis pour éviter que ça explose. Ça va être encore plus malin. Voilà, ils viennent nous créer une nouvelle arme, hein, une nouvelle arme, un nouvel ennemi, et grâce à cet ennemi, ils vont faire passer plein de trucs, comme le reconfinement, la muselière, tout ça. C'est marrant. Et pendant ce temps, personne ne parle de l'adoption comme traitement du Remdesivir, qui coûte 3 320 $, à peu près 2 000 €. C'est le traitement qui a été retenu par l'OMS. Mais on sait à qui appartient l'OMS, et contrairement à ce qui est raconté, l'OMS n'appartient pas à la Chine. Allez voir qui finance l'OMS. Royaume-Uni, USA, Bird, Rotary Club, Fondation Bill et Melinda Gates. Je te cite les gros actionnaires, notamment le dernier. Et ils refinancent d'une autre manière avec Gavi. Puisqu'ils sont dans le médical, ils sont dans le vaccin, ils sont dans la carte d'identité numérique qui arrive, puisque le but c'est le vaccin. Personne ne se pose des questions à savoir pourquoi ce traitement a été retenu, alors que toutes les études sérieuses montrent qu'il est inefficace. C'est le Remdesivir, c'est la molécule Velcutri, et il a été prévu pour Ebola, il n'a pas marché, il a été utilisé pour le SARS, pour Ebola. Il n'a rien donné. À croire qu'il nous refourgue un vieux truc. Et ça expliquerait plein de choses. Ça expliquerait le fait que l'hydroxy et la miso, les deux médicaments qui ont été largement décriés, eux, sont génériques. Ils ne coûtent pas un rond. C'est peut-être un autre laboratoire, Sanofi, mais ça ne coûte pas un rond, en fait. Voilà, ceci expliquerait cela. Et le Liban. Alors, quand je vois Macron demander une enquête internationale pour le Liban, hein, et pourquoi on ne demanderait pas une enquête internationale pour le Covid en France, comment il a été géré, Macron? Ça serait bien, hein. Donc j'ai posé déjà deux vidéos, mais c'est bien parce que ça avance et j'essaye de suivre aussi. Pour répondre à ceux qui me disent « Ouais, mais tu c'est complotiste, tu balances n'importe quoi. » Mais c'est des hypothèses. Hein. J'ai pas dit que c'était la vérité vraie, il n'y a aucune preuve. Néanmoins, l'hypothèse, en quelques jours, elle commence à prendre forme quand même. Celle de quelque chose de pas joli joli. Éventuellement... une action israélienne comme en Iran. Et donc ma première vidéo prend tout son sens au fur et à mesure. Je dis pas que mon hypothèse est la bonne, hein. Moi j'ai toujours pas de preuves, autant c'est un accident. Mais je pense qu'il y a un stock qui a été visé, c'est un stock Hezbollah. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour que ça pète plus qu'il ne faut. Hein, moi je le vois plutôt comme ça. Et maintenant ils en sont à gérer, des deux côtés. C'est une hypothèse, hein, c'est pareil, hein, tu peux me dire c'est n'importe quoi, c'est une hypothèse, donc oui, forcément c'est n'importe quoi. Enfin, quand tu vois Trump, maintenant quand tu vois Michel Aoun qui exclut pas la possibilité qu'une roquette ou une bombe soit intervenue, lorsque beaucoup de vidéos, j'ai pas pris le temps de toutes les regarder, soyons honnêtes, parlent de missiles, parlent d'avions israéliens, il y a des témoignages, il y a des choses et d'autres, voilà. Le réseau Voltaire qui lui parle carrément, mais alors là je le suis pas. Le réseau Voltaire qui parle carrément d'une nouvelle arme. Mais bon, je ne le suis pas. Une nouvelle arme israélienne. Alors pourquoi il la testerait là, dans ce genre d'opération? Il n'y a pas besoin, une bombe classique aurait suffi. Et puis bon, ça c'est un peu le baratin. Il s'agirait d'un missile à tête comportant une composante nucléaire tactique, mais ce n'est pas une bombe stratégique. Ça ne veut rien dire du tout en fait. Voilà, c'est ce qui est marqué sur réseau Voltaire. Donc Israël frapperait avec une arme nouvelle. Je vois pas l'intérêt de frapper avec une arme nouvelle qui laisse des traces, le missile. Alors que ce genre d'opération suppose plutôt un sabotage, une bombe qu'on laisse traîner. Hein, on va pas envoyer un missile pour ce genre de choses.
En admettant que soit stocké ce mot-là, tu as des réseaux israéliens, tu as des Libanais là-bas sur place qui font le boulot. Voilà, c'est leur boulot, ça s'appelle des illégaux. Ils peuvent poser une bombe, ils peuvent tirer une roquette. Donc pourquoi tu veux qu'il y ait un avion qui passe, que tous les radars le captent? Cet avion tirerait un missile, ça donnerait la catastrophe qu'il y a là et tout le monde saurait que c'est Israël. Donc vous voyez pourquoi je ne suis pas le réseau Voltaire, parce que ces arguments se démontent. Là, on a l'impression que le type, il te sort le truc le plus complotiste qui soit pour que tout le monde suive là-dedans et qu'on passe pour des cons encore. Il s'est peut-être passé quelque chose, on ne sait pas. Mais voilà, l'arme, elle aurait déjà été testée en Syrie. Ça serait une arme atomique sans être une arme atomique. Ben, il s'agirait d'un missile à tête comportant une composante nucléaire tactique, mais pas une bombe stratégique. Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'il fait allusion à un truc qui existe déjà, c'est-à-dire des mini-bombes atomiques. Des mini-roquettes, des mini-voilà, 0,5 kilotonnes, 1 kilotonne, ça correspondrait à peu près à ce qui a pété, 1 kilotonne. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un séisme, ça a été ressenti jusqu'à Chypre, et que ça, c'est la caractéristique de petites bombes atomiques. Mais, encore une fois, ça laisserait des traces de radioactivité. Oui, il y a eu un nuage, mais bon, moi, je suis pas chimiste. Oui, il y a eu un nuage. Ce nuage, on voit que c'est de l'eau, on voit que c'est l'humidité, on voit qu'il y a un effet de souffle, comme dans toute explosion. Mais si ça avait été une explosion, comme il dit, nucléaire tactique, sans la tête, sans je sais pas quoi, il raconte n'importe quoi ce type depuis des années, il y aurait des traces de radioactivité. Donc là, encore une fois, voilà, les bombes atomiques, les bombes à neutrons, faut oublier quand même. Ça se trouve, c'est juste un accident. Ouais, il y a eu un champignon, il y a eu. Voilà, mais l'hypothèse qui peut-être qu'il y a quelque chose. Et ceux qui me demandent mes sources, c'est la presse, c'est tout, c'est la presse. Tu tapes la presse, tu tapes le Figaro, tu tapes. Toute la presse qu'il y a à l'heure actuelle, et voilà, c'est ça mes sources. Non, mais on me demande mes sources. C'est une revue de presse. Donc voilà. Certains m'ont demandé, mais pourquoi tu dis que le Hezbollah contrôlerait le port du Liban? Parce que ça fait des années qu'Israël dénonce ça, ça fait des années que la Finul dénonce ça, et vous retrouverez aisément les articles, pareil, qui parlent de ça. Et dans les faits, d'après plusieurs témoignages, il semblerait qu'effectivement le Hezbollah gère dans les faits, et alors que formellement, ça serait les douanes libanaises qui géraient le port. Et ce port servirait de point d'entrée à tout un tas de choses que les Iraniens pourraient envoyer au Hezbollah, sans avoir à passer par la Syrie, sans avoir à prendre le risque d'être bombardé. Et ça peut être aussi quelque chose, une cargaison qui arrivait dans un truc de feu d'artifice. Le feu d'artifice, regardez, c'est encore une hypothèse. On dit que la première explosion a eu lieu, enfin. C'est parti d'un incendie sur un bateau qui était blindé de feux d'artifice. Imaginez que ce bateau amène une certaine cargaison, qu'on les fait péter, que l'incendie s'est propagé vers un vrai stock de nitrate d'ammonium, et que ce stock est pété. Et qu'à la base, ce n'était pas ça qui a été prévu, c'était de couler là un bateau. Voilà ce que j'appelle l'attentat manqué. Je ne pense pas que les Israéliens aient voulu faire un attentat aussi gros. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Mais si c'est un attentat, ils sont pas tout contrôlés, mais je pense pas que ce soit une arme secrète. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ce qui va être intéressant, c'est de voir la suite, puisque la suite, c'est simple, là. Au départ, on nous dit que l'enquête est bouclée. Maintenant, on nous parle de l'enquête, mais il paraît que ça serait seulement une enquête sur les causalités. Ça va être chaud pour le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui gère. La population en a marre du gouvernement, on a marre de tous les partis politiques, en fait, on a marre de subir la crise depuis janvier 2020, on a marre de l'incurie des gouvernements successifs, donc les gens sont à cran et il y a un risque aussi de schisme. Et ça arrangera ni le Hezbollah ni le Liban, entre la classe politique libanaise, Hezbollah compris, et la population de l'autre côté. Sans parler en plus de la crise sanitaire, de la crise humanitaire, il y a le Covid chez eux aussi. Le port, ça permettait d'acheminer de la bouffe dans tout le pays, ça permettait d'avoir des taxes, ça permettait tout un tas de trucs. Donc c'est un gros affaiblissement du pays. C'est une vraie crise qui se couple à la crise sociale, la crise économique, la crise sanitaire. En rappelant en plus que le Liban recueille des réfugiés, beaucoup de réfugiés syriens, et a une guerre à sa frontière. Vous voyez un peu le tableau, c'est pas apocalyptique, mais c'est presque, quoi. Et on aurait voulu finir le Liban et neutraliser un front qu'on s'y prendrait pas mieux. C'est ça aussi, quand on me dit, mais pourquoi Israël ferait ça? Parce qu'Israël a trois fronts à gérer. Et c'est le front nord, c'est le front le plus important. Si le Hezbollah est emmerdé avec cette histoire de port, si le Liban est complètement divisé en deux et puis subit une crise économique, les énergies vont être diluées, ce front nord sera beaucoup plus faible. Le front syrien est plus facile à gérer et le front Hamas, c'est juste quelque chose à confiner.
s'il se passe quelque chose. Donc bien sûr qu'il y a des intérêts. Mais je ne crois pas en l'arme nouvelle de Thierry Messant, je ne crois pas en... voilà, et puis c'est juste une hypothèse, voilà, je le dis encore mille, pour la millième fois, c'est juste une hypothèse, comme ça on fait un peu de géopolitique, un peu d'extrapolation, et autant c'est un accident. Après, il faut être un peu con pour laisser traîner pendant 6 ans ce genre de stock. Quand je vois le Premier ministre à Saint-Denis, certes, il est Premier ministre depuis un an à peu près, ouais. Non, même pas, non, non, mais non, il est Premier ministre depuis 8 mois, depuis janvier, je crois. Le gars, il fait l'étonné maintenant, ouais, je comprends pas. On va aller chercher les responsables, tu les connais, les responsables. On dit aussi que le nitrate d'ammonium sert à faire des IED, et que ça pourrait être un stock de nitrate d'ammonium, ça pourrait être un accident, ça pourrait être un stock du Hezbollah, et ça servira à faire des explosifs. Vous voyez, on dit beaucoup de choses. Le mieux pour l'instant, c'est d'attendre un petit peu, et puis de voir un peu ce qui va se passer. Mais après on verra, mais je doute fort qu'on ait véritablement les causes, quoi. Soyez les Israéliens, personne n'a intérêt à ce que les Israéliens soient désignés, ni le gouvernement libanais, ni les Israéliens, ni personne. La situation est suffisamment tendue, donc on verra, à suivre.